Coucou tout le monde, bon bah voilà, je vais me lancer dans le concours de Paclari dans tous ses états, concours estival 2018. Alors j'ai vous lire mon petit papier parce que sinon j'oublie la moitié des choses que je dois vous dire. Donc le concours, je crois c'est jusqu'au 6 août, donc j'ai intérêt à me dépêcher. Mais le concours en fait, on le fait directement par vidéo, du moment qu'on marque dessous à quoi ça correspond. Voilà. Donc, alors, moi, je vous montre ce que j'ai préparé. Je n'ai rien encore fait parce que on n'a que 10 minutes. Donc, hors caméra, je ferai le montage. Je vais juste vous faire voir, vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait et ce que j'ai préparé. Donc, voilà. Donc, j'ai fait une feuille en A4. Alors, j'ai fait une feuille avec du café, le fond est en café. Avec des gouttes bleues, le produit de chez Action, là, celui-là. J'ai fait une autre feuille chiffonnée. Au départ, c'était du A4 aussi, que j'ai coloré avec du marc de café. J'ai déchiré le tour, j'ai tamponné avec des écritures et j'ai brûlé tout le tour avec un briquet, hein. Mais bien sûr, faut faire attention quand on le fait. Ensuite, j'ai préparé deux sortes de tulle, comme ceci, donc celui-ci marron et celui-ci plus clair. Ensuite, j'ai fait une feuille d'embossage sur calque, sur le thème de la musique, avec sur calque toujours, j'ai fait avec des instruments de musique. Un fond avec des instruments de musique. J'ai découpé une petite silhouette de musicien trompettiste. J'ai fait, et là c'est là où j'ai le plus de travail, un petit livre. Voilà. Que j'ai fait moi-même à la main, avec deux couvertures, les pages qu'on peut tourner. Voilà. Avec le marque-page. Et sur mon petit livre, j'ai marqué ma phrase. Donc ma phrase, c'est la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Voilà. Je vais enlever ça, bien faire voir. Voilà, ça donne ceci. Et ensuite, je mettrai un peu de washi avec des petites notes de musique comme ça. Voilà. Donc, j'arrête mon blabla là, sinon j'aurai jamais assez le temps et je vais faire mon montage hors caméra. Me revoilà. Donc, j'ai fini mon petit montage là. Donc, je vous fais voir, c'est pour ce concours là. Ma créa est terminée. Donc dessus j'ai mis un peu tout ce que je vous avais dit, c'est-à-dire les deux feuilles, la feuille de fond, celle-ci, pardon. J'ai mis en dessous le petit tulle ici, l'autre morceau qui dépasse là. En dessous là j'ai mis l'autre, je ne sais pas si vous le voyez, ici. On le voit à travers, ça brille un peu. J'ai collé ma feuille d'embossage musique, l'autre ici, la petite silhouette, mon petit washi qui traverse ici, voilà. Là, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis des petites notes de musique qui sortent de la trompette, mon petit livre avec les pages tournantes. Voilà. J'ai mis aussi les petites perles, comme si le petit parchemin était retenu par des, comment je vais dire, des petits clous, des petites attaches, enfin, ce qu'on veut. Ici, voilà. Mon petit livre est collé, mais il est collé juste sur ce côté-là. Là, on peut le fermer ou l'ouvrir. La petite phrase, voilà. Donc,
voilà, j'espère que ma créa vous plaira parce que j'aurais voulu faire plus, mais c'est vrai que je n'ai pas énormément de matériel sous la main et même du tout chez moi. Donc je fais un peu avec les moyens du bord. Bon, j'avoue que peut-être, comment je vais dire, peut-être que le trompettiste, il a l'air un peu de sortir du dessous du calque, mais bon, après, voilà, c'est une silhouette, quoi. Donc voilà, bon, ben, j'espère que franchement, ça vous plaira. Si vous aimez, mettez-moi un petit pouce. Si vous n'aimez pas, tant pis, on met rien. Moi j'ai eu plaisir quand même à le faire, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'espère que ça comptera quand même pour ce concours. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit au début. Donc l'assemblage est fait, ma page, hein, moi j'appelle ça une page, ma page est terminée. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine vidéo et moi je regarde toutes celles qui sortent. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.